l'histoire des mines et des hommes, c'est une histoire pas uniquement historique. J'ai pas voulu faire une œuvre uniquement historique, c'est une œuvre poétique. L'idée de prendre un jeune garçon qui habitait la ville, à un endroit un peu triste, en tout cas il se sentait pas vivre, et qui décide de partir à l'aventure, et qui tombe par le plus grand des hasards au cœur de la cité minière, recueilli par la troupe des enfants. Ceux qui ont encore le temps, à tout moment de rêver. Voici le tango des rêves. Et là se dessine une histoire où ce personnage qui n'avait pas de famille trouve dans une famille de mineurs une famille. Il découvre ce que c'est de se sentir appartenir à une famille. Ceux qui ne sont pas pressés, ceux qui ont encore le temps. Ben, ce projet est né d'une discussion avec Laurent, puisque ça fait déjà quelques années que Laurent nous fait des spectacles, et puis assez naturellement, ce thème de la mine qui est assez prégnant dans le coin, on a eu envie de le réaliser. Je serai capitaine d'un trois-mâts. Travaillons dans le cadre des cours de formation musicale pour aboutir en mois de juin par une représentation. Alors moi je suis de profession décoratrice en audiovisuel, donc c'est à ce titre-là que je suis venue sur l'opéra, mais je suis arrivée par le biais de rencontres en fait, puisque je travaille avec une autre école de musique. On s'était déjà rencontrés avec l'école de musique de Sourcier, on se connaissait de vue comme ça, on avait fait des choses ensemble. Et puis ma foi de fil en aiguille, c'est quand on fait des belles rencontres comme ça, on a envie de participer à des choses, surtout quand c'est un projet intéressant et qui nous emmène un peu loin. Donc moi je pouvais mettre mes talents de décoratrice dans cette aventure, donc c'est ce que j'ai fait avec grand plaisir. Voilà. Voici le tango des rêves, celui que vite on oublie. L'existence est tellement brève pour ne pas rêver sa vie. C'est le tango des enfants, ceux qui ne sont pas pressés, ceux qui ont